La Bible nous dit dans le livre de Luc 4, après que Jésus soit conduit dans le désert, dans un temps de jeûne de 40 jours, la Bible déclare que au 40e jour, quand Jésus eut faim, le diable se présenta à lui. Et au verset 8 particulièrement, Jésus pouvait rétorquer à une demande que le diable lui avait demandée. Il lui avait dit: prosterne-toi devant moi afin que je te donne tous les royaumes de ce monde. Et Jésus lui dit: il est écrit, tu adoreras Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. La gloire de Dieu n'est pas partagée. C'est lui seul qui la mérite. Les circonstances que je traverse, les situations que je traverse ne me pousseront pas à la compromission. Non, Seigneur, car c'est toi ce qui mérite honneur et gloire. C'est toi ce qui mérite honneur et gloire. Alléluia. Oh Jésus, et quand je regarde tout ce que tu fais, quand je regarde les vies que tu transformes, Seigneur, oh je viens encore, Seigneur, afin de te rendre gloire, Seigneur. C'est vrai, pas maman, j'ai les larmes remplies de, les yeux remplis de larmes, mais malgré cela, Seigneur, je dis sois glorifié, Seigneur. Même quand je ne comprends pas la situation que je traverse, qui est peut-être en train de me trembler, Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Kabarabos, rabashekerebos, menebebe kintieberebos, rababakutouche.
Tu es tellement...